Baisse un peu le... Permettez-moi de vous appeler les consoeurs et confrères. Vous les obligez, madame. On est d'accord? Oui. Puisqu'on est entre nous journalistes. Ceci est un point de presse. Précision. Je précise que c'est un point de presse, ce n'est pas une conférence de presse. Ah, d'accord. Donc, le point de presse porte sur deux points. Mais avant, nous allons d'abord faire la présentation de la conférencière. Il s'agit de la porte-parole de la direction nationale de RPG, de la communication de RPG Arc-en-Ciel, à la personne de Madame la ministre Domani Doré. À ses côtés, il y a le frère Omar Din Keita, membre du Bureau national des cadres, et moi-même, Moussa Cissé, membre de la direction nationale de la communication de RPG Arc-en-Ciel, pour vous servir. Le point de presse porte sur donc deux points. Premièrement, le RPG Arc-en-Ciel vers la convention 2022. Deuxièmement, la situation concernant l'interpellation de l'ancien ministre Ibrahima Sori, Ibrahima Khalil Kaba. Donc sans tarder, nous allons passer la parole à la porte-parole. Je précise que c'est un point de presse, donc il n'est pas suivi de débat. Mais les documents, la copie du communiqué vous sera remis en fin de présentation. Je laisse la parole à Madame la ministre, porte-parole de la direction nationale de la communication. C'est pour moi. Si vous êtes prêts, je suis disponible. Oui, c'est bon. Encore, s'il vous plaît. Ah. Malik, c'est toi? Oui. On attend le prix. S'il vous plaît, votre attention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir été présents. À présent, je vais vous faire la lecture du premier communiqué. À l'effet de l'organisation prochaine de la Convention nationale extraordinaire RPG Arc-en-Ciel. Communiqué. La direction nationale du parti informe les responsables des structures, militantes, militants et sympathisants du parti, de la tenue en appui de la Convention nationale extraordinaire le jeudi 31 mars 2022, à l'effet de valider les décisions relatives au bon fonctionnement et à la mise en place d'un conseil exécutif provisoire à sa tête, Dr. Ibrahim Makassori Fofana, comme président de la dite structure, avec la bénédiction du professeur Alpha Condé, père fondateur. En guise de rappel, la mise en place de cet organe fait suite aux recommandations des dernières missions du parti auprès des structures à la base. Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts, qui fixe les modalités de la convocation d'une convention et la participation des membres statutaires comme suit. Une convention nationale extraordinaire peut être convoquée sans condition de délai. Elle peut proposer des modifications dans les organismes et structures, mais ces modifications restent provisoires jusqu'à leur adoption par le Congrès. Les participants aux travaux de la Convention nationale se précisent comme suit. Les membres du comité central, les délégués des sections et des fédérations, les députés, les délégués des organismes nationaux d'appui, les bureaux nationaux des femmes, des jeunes, des cadres, des corps et métiers. Conformément aux éditions précédentes,
Des badges d'accès seront délivrés aux participants et pour information, les statuts et les règlements intérieurs du parti sont intégralement disponibles sur le site officiel à l'adresse suivante www.rpgarc-en-ciel.com. En outre, il est porté à la connaissance de la presse nationale que les accréditations seront disponibles auprès des associations professionnelles et celles des correspondants de la presse internationale auprès de la Direction nationale de la communication au siège du parti à compter du 30 mars 2022. La Direction nationale de la communication du RPG Arc-en-Ciel sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Par ailleurs, pour toute information complémentaire, vous avez les contacts au niveau de notre portail web. Communiqué 2. Comme vous le précisez, M. Cissé, à propos de l'interpellation de l'ancien ministre Dr. Ibrahim Khalil Kaba, le communiqué est le suivant. Nous avons appris avec inquiétude l'interpellation d'un des nôtres, en l'occurrence l'ancien ministre Dr. Ibrahim Khalil Kaba. À cet effet, le RPG Arc-en-Ciel souhaite qu'il jouisse de la plénitude de ses droits. Par ailleurs, le RPG Arc-en-Ciel tient à préciser que l'audio en question n'a jamais fait l'objet de partage ni de discussion au sein des instances du parti. En tout état de cause, le parti regrette qu'un audio d'une conversation privée du président Alpha Condé soit mis sur la place publique. Le RPG Arc-en-Ciel réitère sa ferme volonté de s'inscrire pleinement dans une transition inclusive, responsable et apaisée. Je vous remercie. Merci. Merci.